Hello, hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo unboxing. Ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait et là on passe à l'unboxing d'hiver, you know, avec notre petite wood box qui est toujours aussi grise et jaune puisque tout est à l'intérieur. Là, je sais pas si vous voyez ce petit morceau là, ça me fait penser à Street Fighter ça, non? Ça fait penser au vieux jeu, on la retournera tout à l'heure et on va commencer ça ensemble. Et voilà, je le savais, hop, on commence par un petit CD. Alors, de la musique, donc ça c'était les toutes premières musiques de Street Fighter, si je ne dis pas de bêtises, avec The Street of Rage et pas mal de musique, donc je vous avoue que je ne les connais pas, ce sera l'occasion de les écouter. Je crois que je n'ai pas vu un CD depuis très très longtemps, mais c'est toujours sympa. Moumoun, comme d'habitude, nous accompagne pour cet unboxing. Elle vient se mettre juste à côté de la box. Voilà, dans cette ambiance carton. Coucou Moumoun, merci de participer à cet unboxing. Pourrais-tu ne pas passer? Voilà, je sais que tu es très intéressé. Tu es un chat très intéressé par les unboxings. Tu veux faire l'unboxing avec moi? Regarde, là on a le livre avec tout. Non, tu ne veux pas. Ok, très bien. Je n'insiste pas, c'était juste pour faire sa curieuse. Et il n'y avait pas de croquettes. Alors, nous avons ce petit CD du coup qu'on écoutera ensemble et on passe à la suite. Je le mettrai sur un de mes lives sur Twitch, ça pourrait être sympa de voir. Alors la suite, c'est un mug, génial. Je suis en plein déménagement, j'ai rangé tous mes mugs et Woodbox m'en envoie un nouveau. En gros, je vais boire dans celui-là jusqu'à mon déménagement quoi. Alors c'est quoi? Attaque des Titans. Ok, mug Attaque des Titans. Alors ça a l'air d'être la BD, c'est un petit peu type manga. Qu'est-ce qu'ils nous disent? En tout cas il est classe, moi j'aime bien les mugs. Je commence à en avoir beaucoup. Ah oui là c'est la grosse attaque, là en effet c'est totalement manga. Chez nous, ou au travail, vous souhaitez montrer votre supériorité? Rien de plus simple avec l'Attaque des Titans. Tadam! Wooters, ceux que vous côtoyez, ne vous embêteront plus et vous traiteront avec respect sous peine de déclencher votre colère destructrice. Bon je sais pas si ça va marcher. Moumoun, est-ce que t'as peur? En tout cas, il est super joli. J'aime bien. C'est la guerre, quoi. C'est la grosse guerre sur ce mug. Nous passons tout de suite à la suite avec ce magnifique bonnet qui, je pense, va m'accompagner au ski cet hiver. Oh, le bonnet Deadpool. Il est super épais, par contre. Ça a l'air d'être de la bonne qualité. Ah, il est classe. Attention, et c'est du bonnet Deadpool. Franchement, au sport d'hiver avec ça... J'adore, les yeux, ils sont trop sur les côtés. Voilà, on ne me perdra pas cet hiver parce qu'en plus j'ai un manteau rouge et noir. Du coup, manteau rouge avec bonnet rouge et les gros yeux sur les pistes de ski. Yeah! Si je me casse une jambe, c'est bon, je suis la première qu'on vient secourir, c'est obligé. Décoiffage du bonnet. Ah, je l'aime bien. Non, il est vraiment classe. J'ai mon bonnet Harley Quinn et je pourrais mettre un coup mon bonnet Harley Quinn, un coup mon bonnet Deadpool. Il est super cool. Et puis ça, je trouve que ça va vraiment... fille comme garçon, c'est unisexe, c'est nos problèmes quoi. Et ensuite, j'ai un petit t-shirt et déjà je lis quelque chose qui me plaît énormément. The Walking Dead. Pour ceux qui connaissent la série, alors c'est pas pour les petits hein. Ça fait quand même relativement peur. On est quand même dans un monde de zombies, de morts-vivants. Mais c'est super badass, c'est super classe. T-shirt pour moi, alors celui-là, je le garde, je le kiffe avec Rick. Bon, Rick n'est pas mon héros préféré, mais il a quand même la classe, il a quand même vécu tellement de choses, le pauvre, que maintenant, il est un peu brisé en fait. Je trouve qu'à la fin des saisons, il est un peu brisé, mais ça reste quand même super, super badass. Tu sors avec ça dans la rue, petite veste en cuir là, personne t'embête quoi. Ah, il est beau. The Walking Dead. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Premium Walker Protection. Art Justice Grimes. Rick Grimes, shérif. Ouais bon, à la fin, il est plus trop shérif, hein. Ah non mais c'est cool, c'est vraiment cool, merci beaucoup. Et notre petit pins. Alors ce pins, j'ai lu quelque chose dessus. Faut que je vous le lise quand même. Il était une fois. Vous souhaitez devenir un super-héros et sauver le monde? C'est possible. Woodbox a pensé à vous avec ce pins exclusif. Selon un célèbre manga japonais, le porter vous permettra de devenir la personne la plus puissante du monde. Seul hic, il se peut que l'on surnomme le chauve à la cape. Désolé. Ok, donc nous serons le chauve à la cape. J'avoue qu'il a une bonne boule à zéro, il y a genre pas un poil qui pousse là-dessus. Une bonne boule, hein? Et Moumoun adore les box, voilà, elle a décidé de me faire une surprise. Elle vient de croquer la box et de laisser sa bave dessus. Merci à toi, Calici, tu es adorable. Et donc la box, bah c'est parti, maintenant je maîtrise le dossier normalement de la box. C'est parti, mon kiwi.
voilà, la box est prête. Vous remarquerez cette magnifique rapidité d'exécution. Voilà. Je vous la montre de tous les côtés. Elle va rejoindre ma collection de box, footbox. Non, je ne collectionne pas les t-shirts ni les pins, non. Les boîtes. Non, mais vous avouerez que c'est des très belles boîtes. Et pour le rangement, je préfère largement avoir ça que d'avoir des boîtes toutes basiques. Les choses importantes à savoir, avec le code des Vovo, vous pouvez avoir une réduction, donc c'est toujours intéressant. La box de novembre est toujours disponible, et en décembre, super truc, avec une pop exclusive, vous avez la box de Noël, spéciale Star Wars. Alors pour ceux qui sont fans de Star Wars, ils ont déjà fait plusieurs box Star Wars, mais voilà, il y en a une nouvelle avec des nouvelles choses. Donc ça peut toujours être intéressant pour vous. Sur ce, on se fait des gros bisous, et on se dit à très bientôt. Ciao ciao!